Je m'appelle Jacques Perrochard, je représente Schneider Electric et ça fait plus de 35 ans maintenant que je travaille pour et dans la filière data center. Alors, la mission de Schneider Electric, c'est d'accompagner ses clients dans la transformation, dans leur transformation digitale, en leur apportant des technologies les plus avancées pour l'énergie et dans les automatismes. Nous concevons pour nos clients des solutions intégrées, sûres, fiables, durables et cybersécurisées pour les maisons, pour les bâtiments, pour l'industrie, les infrastructures et surtout les data centers. Donc sans hésiter, pour répondre à l'urgence climatique et à l'urgence énergétique, de manière très concrète, c'est pour faire des économies d'énergie, baisser sa facture énergétique et en mobilisant toutes les équipes de l'entreprise. Parce que ce n'est pas parce que la filière data center est engagée et impliquée depuis qu'elle existe qu'il ne faut pas aujourd'hui qu'elle continue à progresser. Les solutions technologiques évoluent, donc la filière peut s'appuyer dessus aujourd'hui. Prenons un exemple très simple. Aujourd'hui, on peut monter la température dans les salles informatiques, ce qui fait baisser du coup la production de froid et donc baisser les consommations. C'est quelque chose qu'on a proposé au gouvernement dans ce plan de sobriété, qu'il a repris. C'est une excellente chose et c'est une excellente manière pour les lauréats du concours pour monter déjà une marche du podium. Donc se faire accompagner par des professionnels de la filière pour définir une feuille de route sur un an qui permettra de réaliser rapidement et efficacement des économies d'énergie. Et surtout mobiliser l'ensemble des acteurs de l'entreprise pour générer des échanges, des actions, des interactions entre eux. C'est le principe même du concours CUBE. Le concours CUBE a fait ses preuves dans le tertiaire, le bâtiment, les écoles. Il fera ses preuves également dans la partie data center. Donc inscrivez-vous vite et participez au concours CUBE. C'est une première en France, c'est une première mondiale. Ce n'est pas comme au loto. Le concours CUBE, on gagne à tous les coups parce qu'on fait, en faisant le concours CUBE, on fait forcément des économies d'énergie. Donc, et dans la période actuelle, c'est plutôt sympa.